Bonjour Pierre. Bonjour Anne-Cécile. Ça y est, on a l'ensemble des contributions, tout ce que les pays du monde sont capables de faire pour limiter leurs émissions de gaz à effet de serre, enfin tous ceux qui ont rendu leur copie. La date butoir, c'était le 1er octobre, alors combien ont rendu leur copie? On en a 146 sur les 195 pays que compte la planète. Et c'est quand même un chiffre tout à fait considérable. On va en avoir bien sûr quelques autres qui vont arriver. Et ce qui est important, c'est de regarder aussi les pays qui manquent. Alors on a deux catégories de pays qui manquent. On a un gros manque du côté des pays pétroliers, Arabie Saoudite, Iran, Irak, Venezuela, Angola, Bolivie, Nigeria, Qatar, Émirats Arabes Unis. Bon, donc là, on a un point faible. Et puis, il manque aussi toute une série de tout petits pays, des États-îles du Pacifique ou de la zone Caraïbe, ou des pays qui sont en grande difficulté. Donc on est quand même, en dehors des pays pétroliers, on est très très proche d'avoir des réponses de la part de tout le monde. Et ça signifie que les pays se mettent dans l'idée d'être partie prenante du nouvel accord. Et ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Est-ce que ces contributions, si on prend un peu de recul et qu'on les analyse, sont ambitieuses et convergentes? Non. Alors, les pays développés ont été assez prudents et ont très peu développé leurs contributions. Ils sont restés dans le fonctionnement qui était le leur lors du protocole de Kyoto. Alors, on attendait beaucoup les pays émergents. Et sur les pays émergents, il y a quelques pays qui ont rendu leur copie très très tard. L'Inde, l'Afrique du Sud. Et on a des pays qui sont bien rentrés dans l'exercice. Le Mexique, l'Indonésie, la Chine, le Brésil. Et puis après ça, il y avait la grande interrogation sur les pays en développement. Alors sur les pays en développement, c'est là que les surprises sont, je dirais, les meilleures. On a une vraie mise en mouvement qui s'est faite avec notamment la totalité des pays africains francophones qui ont répondu à ces contributions. On a des contributions d'une qualité remarquable. Éthiopie, Maroc, Sénégal, Kenya. Et là, on a des choses qui vraiment avancent bien. Et ce qui ressort de ces contributions, c'est qu'on a quand même réellement un mouvement, l'ensemble de l'humanité se met en marche et les propositions des uns et des autres sont réellement convergentes. Et si on additionne l'ensemble de ces contributions, est-ce qu'on arrive à limiter le réchauffement du climat de la planète à 2 degrés ? On n'y est pas tout à fait, donc il va falloir, dans les années qui viennent, compléter tout ça. Merci Pierre. Merci Anne-Cécile.